Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir aujourd'hui un tour assez difficile à réaliser. Ça va vous demander un petit peu de travail au niveau des manipulations. Ça change un peu des tours automatiques. Et ça permet à ceux qui ont un petit peu de bagage en magie d'aller un petit peu plus loin dans leur manipulation. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo, une petite démonstration de poker qui se fait vraiment à 5 cartes, vous allez voir. Donc on va mettre une carte cachée, hein, et on va voir les cartes qu'on a en main, et à la fin ça fera une main finale. Donc petite passe magique, on va retourner une première carte, et ici c'est un 10 de pique. Un 10, franchement c'est pas mal, ça fait déjà une carte forte. On va voir ce qu'on peut avoir si on claque deux fois. Cette fois on a une deuxième carte qui passe face en l'air, et c'est un deuxième 10 avec deux 10, là on a quand même une paire de 10. Paire de 10, ça commence à être une bonne main, hein. On continue, on claque des doigts, et là si on regarde, ben là on a 3-10, donc ça nous fait un brelant de 10. C'est une bonne main, mais si vous l'avez sans doute deviné, en claquant des doigts 4 fois, on peut avoir notre carré de 10. Et oui, avec un carré de 10, là franchement, on peut aller loin, ça dépendra après de la carte finale, mais déjà c'est plutôt cool, hein, comme carte. Hein. Ce qu'on va faire, on garde notre carré ici de 10, hein, juste ici. On va quand même retourner ici la carte, et là on a un as. Un as avec un carré de 10, ça fait un carré à l'as, c'est fort, mais bon, la Ken Flush Royale à pique, ça serait vraiment le summum, hein. Mais bon, on est magicien ou on l'est pas? On claque des doigts, et vous l'avez sans doute deviné, maintenant on se retrouve avec une Ken Flush Royale à pique. Et ça, les joueurs de poker, ils adoreraient savoir le faire, hein. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu, un petit tour sur le thème du poker. Et oui, un tour qui va demander un petit peu de manipulation, c'est pas tout à fait très simple à réaliser, c'est pas insurmontable non plus, mais voilà, il va falloir un petit peu travailler. Donc ceux qui ont envie, vous avez le lien dans la description pour apprendre à réaliser le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et également le petit commentaire que je lis également. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, et également mon école de magie www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne. Vous allez pouvoir apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tour accompagné de tours expliqués avec la plateforme de VO2 également à côté. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie et qui voudraient en même temps me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium afin d'avoir accès à des vidéos et du contenu exclusif comme des tours expliqués, des posts et des emojis exclusifs, et également la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservé uniquement aux membres. Donc voilà, toutes les infos sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et sur ce, cette vidéo prend maintenant fin. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.